Et salut tout le monde, c'est Docteur Lisandro pour vous servir. On se retrouve pour l'épisode 4 de Team Hospital. Donc comme vous l'entendez, j'ai remis la musique. Parce que je trouvais que sur les vidéos, ça faisait vachement vide en fait. Mais je sais pas, je la trouve assez forte en fait la musique. Malgré qu'elle soit à 10%. Bon. Non, s'il vous plaît, ne me quittez pas. Bah non, je vais pas quitter, je charge ma partie bien sûr. Hop. Ouais, je la trouve vachement forte en fait la musique. Volume musique 10% quoi. C'est impressionnant. Ouais, je vais l'enlever. Comme ça on entend mieux les annonces what the fuck. Et ben on est reparti. Hein. Hop. Donc épisode 4, donc nous étions au troisième level déjà. Tout se passait bien pour l'instant. Téléincarnation, ok. Donc je découvre petit peu par petit peu. Ah voilà la salle d'opération. Ah elle coûte 8000. J'ai pas... Ah, j'ai la salle d'hyperlangue. Ça, par contre, je l'installe. Ça va me faire gagner des sous en plus. Allez, viens de là, toi. Hop. Viens, dégage. Get out. Merci. Hop, un petit radiateur pour ça. Hop. Et voilà, donc je vais... Je veux dire, je vais racheter un médecin, mais non, pas vraiment. Non. Voilà, je vais mettre des petits bancs. Hop, trois bancs. Très bien, clac. Et voilà, nous sommes partis pour l'hyperlangue. Ah, il me faut 8000, j'ai perdu ma souris. Il faut 8000 pour construire la salle d'opération. Donc la salle d'opération, je vais peut-être... Toi, je la mettrai ici, je pense. Côté de la salle, parce que la plupart des temps, les personnes qui sont en salle vont après en chirurgie. Donc voilà. Ah, une invitation. Ah non, c'est... c'est un superbe hôpital et j'en sais quelque chose, votre réputation est en hausse, vous avez gagné une prime de 2000, cool, merci bien, revenez quand vous voulez, hein. C'est pas hier à l'apéro et tout, c'est génial. Ah, Team Hospital, je rejoue à Team Hospital, c'est dingue, j'adore ça, c'est vraiment génial comme jeu, je m'en lasse pas. La courante, vous connais celle-là. Donc là pour l'instant j'ai enchaîné un peu les épisodes. Il y a juste entre l'épisode 1 et l'épisode 2 que j'avais pas enchaîné mais c'était dans la même journée. Là c'est l'épisode 4, je pense qu'après je vais arrêter. Parce que si je fais un épisode à peu près de... Nous prions toutes les personnes d'éviter d'être malades dans les couloirs. Ah ça aurait dû être compliqué ça. Si tu veux. Je renvoie le patient parce que je ne peux pas pour l'instant. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que là, bah, ce sera le quatrième épisode, donc c'est déjà pas mal. Je fais. Non, ça va être bien. Surtout que quand même, j'ai eu des petits soucis de disque dur. Bah, il faut que je refasse tout ça, bien sûr. Mon magnifique PC, mais oui. Ah, c'est pratique aussi de recorder un peu en avance quand j'ai du temps. J'ai du temps toute la journée, mais je ne tourne pas toute la journée non plus. Non, je cherche d'autres styles de jeux. Je pense partir peut-être sur des Bioshock. La trilogie des Bioshock m'intéresse. J'avais vu des vidéos sur le troisième et il m'avait l'air bien sympa. Bon, l'histoire, le scénario est assez bizarre aussi, il faut le comprendre. Hein. Mais je me laisserai bien tenter. Syndrome du King. Chercher un remède, bien sûr. Je veux ma salle d'opération. Faites-moi gagner des sous, s'il vous plaît. Allez. C'est bien parce que c'était marqué que ma réputation était en hausse, mais là, ma réputation, elle est... Elle est à 408. Oh. Elle a un peu baissé, je pense. C'est pas très très grave. Le bruit des portes, quoi. Clac, 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 clac. Bon, bien sûr. Comme je l'ai dit, hein, il n'y a rien d'excitant pour l'instant. Il y a très, très, très peu d'urgence. Les salles commencent à s'accumuler. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Ça commence à être un peu le dawa, des fois. Parce que j'ai l'impression que les médecins se sont donné des fois tous le mot pour partir en même temps en pause, en fait.
et que si je les force à rester au boulot, eh ben c'est là où ils craquent en fait, ils vont me demander des promotions, ils vont tomber de sommeil carrément. Ah, t'es constipé gros ou conne? Dis donc, oui. Ah, t'as pas la couronne toi, hein. T'as quoi toi? Ah, je peux voir en fait ce qu'ils ont comme maladie. Enfin, pas vraiment, mais je peux les faire soigner sans qu'ils passent par le diagnostic, on va dire. Bon. Ouais, ça peut faire gagner du temps si c'est une urgence. Si c'est un truc catarrhe ou un truc comme ça, mais bon. Alors, il y a eu un incident dans le salon funéraire de Gros Dany. Il y a 4 personnes atteintes de rectoïdes qui ont besoin de soins immédiats. De l'équipement et les compétences. Mais si c'est... Oui, je peux m'en occuper. Arrivée de patient, prends de rectoïdes. Salle d'opération. J'ai pas encore les sous. Je suis désolée. C'est le fameux hélico que nous voyons dans la... Comment dire ? Dans l'intro du jeu, bien sûr. Bon, c'est pas aussi épique que dans l'intro, ça, je vous l'accorde. Cherche un remède. Ils viennent ici, c'est ça. Par quoi on pousse, toi, tout ensemble. L'infirmière est toujours là. Voilà. Infirmière. N'importe quoi. Allez, c'est parti, pour l'urgence. Bon, quand c'est des urgences à la pharmacie, ça va en fait. Mais des urgences... Qu'est-ce qui est long en urgence? L'urgence... avec la chirurgie, c'est long. Ouais, c'est assez long. Ah oh, bah toi, t'es mort, toi. Ça s'est fait. Ah, cool, j'ai assez. Urgences, c'est long. Le psy aussi. Le psy, c'est assez long. Le temps qu'il étudie, machin et tout. Je pense que ça c'est quand même. Je vais me décaler au cas où. Je pourrais rien faire là dans ce petit coin. Ça sert à rien. Peut-être même l'agrandir parce que je sais que plus tard on aura peut-être un d'ordinateur dedans. Un médecin est demandé au bureau du général. Hop. Alors, il me faudra 2 chirurgiens. À mettre des radiateurs. Alors, les extincteurs, je sais pas à quoi ils servent en fait. Alors, je vais voir s'il n'y a pas des chirurgiens. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Hop, on voit un. Celui-là, mais je vais voir s'il n'y en a pas un qui est un peu plus si compétent. Enfin. Ah! Je te garde sous le coude. Joue du trombone très fiable en cas d'urgence. Magnifique, hop. Et voilà, cool, j'ai eu ma prime. 2000. C'est magnifique. Et je vais mettre un distributeur ici. Et je vais mettre du chauffage aussi. Je sais plus si j'en avais mis, je crois, mais... Voilà. Comme ça, en tout, je crois que j'ai... je vais voir. Un chirurgien, 2 chirurgiens. Ouais, j'ai 4 chirurgiens en fait. C'est parfait. Pour se relayer au cas où. Ok, ok. Si l'assistant était là, il me dirait il y a trop de médecins, certains n'ont rien à faire. Mieux vaut en avoir trop que pas assez, mon gros. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est cool. Maintenant, je vais pouvoir opérer, moi. Ah, parfait. Le tuyau. Diagnostic. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Toi, je vais juste... demander au bureau du généraliste. Toi, je vais modifier. Je vais l'agrandir un peu, la salle. Et... pour pouvoir mettre un deuxième bureau en fait. Et viens de là. Pourquoi tu veux pas? Merci. Hop. Un
médecin est demandé au bureau du généraliste. Pardon, excusez-moi. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Toc toc toc, je vais mettre le classeur là. Ça... Très bien. Hop, radiateur. Qui est ici? Alors, chercher un remède. Il est où mon deuxième chercheur? Ah, j'ai une urgence. Chercher un remède. Demandé au cabinet de psychiatrie. Tripulurante. Oui, je peux m'en occuper. Appel de service. Arrivée de patient atteint de tripulurie. Et je l'ai perdu. Une infirmière est demandée en salle des malades. Voilà. Ou l'infirmière en salle des malades. Ah, c'est bon, elle est là. Non, parce que celle-là, elle peut pas. Celle-là, non. Il y a des gens qui vont arriver. Hop. Ah, super. Hop, ils vont l'ouvrir. Clac, clac. Enfin, non, ils la recousent déjà, en fait. Ils la recousent avant de l'ouvrir. Très important, il a fait clac clac, il a fait un morpion dessus. Hop, c'est fini. Un médecin est demandé en salle de diagnostic. C'est drôle en fait. Enfin, moi je rigole bien en tout cas. toi, tu vas aller là. Toi, t'es un médecin, tu vas aller où? C'est le psy, il est parti. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Il est où mon psy? Il est là mon psy. Ok, j'ai perdu mon psy. Ah! Alors, j'en suis où? Bah, chaton. Si t'arrives. T'as fait un mauvais rêve. T'as une de ces têtes dans le cul. Mon dieu. Je suis pas le plus riche. J'ai le plus haut salaire. Bon, j'ai fait maximum de 37 guérisons. J'ai eu, bien sûr, toujours en visiteur maxi. Je sais pas pourquoi, ça s'affiche pas pour eux. J'ai eu deux décès et j'ai une valeur totale énorme. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Hop, mon psy. Un médecin est demandé en salle de diagnostic. Toi, tu vas là. Toi, cherche un remède. Un médecin est demandé en salle de diagnostic. Je tape au moment. Ah, ben voilà, c'est nickel tout ça. C'est parfait, parfait, parfait. Oh, bah il me reste du café, j'ai failli oublier mon café. Ah bah voilà, 1350. Wouhou. Mais c'est parfait, parfait. Alors on en est où là? Non bah j'ai tout encore au niveau de la recherche. Médicaments, c'est pas, c'est bientôt fini. Ah, j'en ai tué un. Il avait quoi? Invisibilité. Ah, le traitement n'est pas efficace en 100% encore. Ce n'est point grave. Ce n'est point grave. T'as l'air de te faire chier, toi, par contre. je perds ma souris sur un de mes écrans. C'est horrible. Bon, les chirurgiens, ça va, c'est des chercheurs chirurgiens, donc au cas où ils prennent le relais. Non, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Cool, cool, tout ça. Ma réputation qui augmente. Bien. On va mettre un coup de speed là, parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Ah, sinon, on n'a pas fini. Bon, c'est un jeu de patience aussi, hein. Il y a des fois il se passe pas grand chose, donc on attend, on attend, on attend. Mais bon, c'est le principe du jeu, c'est comme tout jeu de builder en fait, hein, SimCity, tout ça, bah il faut attendre. Il y a des moments de creux, hein. C'est normal. Hein. Je l'ai encore tué, hein, quoi. Des moments où il ne se passe strictement rien du tout, mais bon, c'est comme ça, c'est comme les Sims. Oh, les Sims, c'est le jeu
Oh, le bloc de texture. C'est le jeu répétitif, en fait. Ouais. Bon, Team Hospital, un peu, mais surtout au début. Après, ça va un peu mieux, en fait. C'est vrai qu'on commence toujours par... Les Sims... Dès qu'il a le travail, ça fait métro boulot dodo, hein, comme on dit. Hein, s'il a une vie de famille, mais entretenir sa vie de famille, mais bon. M'acheter. Oh, majesté de tout là-bas. Allez, viens. Voilà, il entretient sa vie de famille, et puis point. Bon, après, il y a eu beaucoup d'extensions, tout ça, mais le premier Sims, j'y ai passé des heures, mais c'était toujours la même chose. Toujours. Oh, c'était juste impressionnant. Mais bon, c'est une sacrée référence aussi, les Sims. Bon, apparemment, ils vont sortir Sims 4. Bon. Alors, ce que ça donnera, hein. J'ai eu le 3, je me suis arrêté au bout d'un moment, quand même. N'empêche, tout ce qui était Sims 1 et Sims 2, je les ai tous. Oh, ça prend une place monstre sur une étagère. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Non, ça avance bien, là, c'est nickel. Non, sinon un vieux jeu, qu'est-ce que j'ai de mes souvenirs? Oh, le premier MMORPG que j'ai fait en fait. Donc, c'était Dark Age of Camelot. Ouais, ça, il est sorti en 2000 ans en fait. Ouais, très bon MMORPG. J'ai jamais trouvé un MMORPG qui lui ressemblait en fait. Non. Alors c'est quoi? Appelé Roupiance, cause hypertrophie de la... Ah mais on l'avait déjà eu celle-là. Et non, j'ai jamais retrouvé un... J'ai jamais retrouvé un jeu... un MMORPG aussi prenant. J'y ai passé... j'y ai passé quand même 8 ans de ma vie dessus. Donc y a eu, tout le monde a eu l'époque de WoW. Moi j'ai eu l'époque Dark Age of Camelot. Et... j'y ai passé de très très belles années d'adolescence dessus. J'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai toujours les boîtes. Bon, j'ai rejoué un petit peu il n'y a pas très très longtemps, je crois, avec un ami. Et... Bon, on a l'impression que, pour ceux qui connaissent Skyrim, l'encombrement dans Skyrim... comment dire, même... Sur Dark Age of Camelot, même en sprintant, en fait... c'est aussi lent. Voilà, faut pas être pressé pour aller quelque part en fait. Waouh, wow, c'est long, mais vraiment. Hein. C'est lent comme jeu. Mais bon. À l'époque. À l'époque, c'était génial en fait. Ouais, c'est là où j'ai connu vraiment le gaming, que je suis devenu pur no life. Mais vraiment. J'ai passé des heures et des heures et des heures à jouer, à faire des instances, machin et tout. C'était génial. Maintenant, je m'investis. Oh, je peux aller au niveau suivant. Je m'investis moins quand même dans des MMORPG. Je joue encore, mais beaucoup moins. Alors, gardez les patients heureux, soyez très efficaces et réduisez les décès au minimum. Votre réputation est en jeu, alors accrochez-vous. Ne vous inquiétez pas trop de l'argent, il viendra à mesure que votre réputation s'étendra. Vous pourrez également former les médecins. Voilà, c'est ce que je dis. Former les médecins pour élargir leurs compétences. Ils auront affaire avec des patients plutôt moins opaques que d'autres. Elle veut strictement rien dire, cette phrase. Bref, portez votre réputation à plus de 500. Et elle est à... 500. J'ai fini. Bon, on refait la même chose. Exactement la même chose. Alors, toi, je te prends déjà. Toi aussi. Ouais, je prends déjà les personnes avant que je construise les salles. Ah, la belle époque des jeux, des MMORPG. Bon, après, bien sûr, hein, WoW est sorti, la population de Dark Age of Camelot est vite descendue, mais moi, personnellement, j'ai testé WoW,
Parce que je me suis dit, je me suis toujours dit, non, je mettrai jamais les pieds sur vous, machin et tout. Et j'y ai mis les pieds. Comme il est gratuit jusqu'au level 20, après, ben, il faut. Faut le télécharger complètement, machin et tout. Bref, je l'ai pas fait. C'est pas ça que je voulais faire. Et honnêtement, voilà. Hein, je me suis vite fait chier dessus. Mais vraiment. Hein. Le graphisme. Oui, ils connaissent pas le moteur graphique. Un bon moteur graphique. Parce que moi, je joue à Ion et le moteur graphique, il est là, quoi. Il est présent. Sur vous, ils ont dû sauter l'étape, en fait, je pense. Parce que c'est vraiment moche. Mais bon, il y en a, ils aiment beaucoup. Moi, j'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je suis pas la seule à le penser, donc tant mieux. Ah, voyons voir les médecins qui ont postulé. Donc, un deuxième chercheur, c'est toujours important. Il y en avait un meilleur, c'est pas grave. Il y a que des chercheurs, en fait. Bon, c'est pas grave, je continue à faire mes petits trucs. La pharmacie. La pharmacie, elle est où? Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, j'ai envie de. Oh, y a même pas infirmière compétente. J'ai envie de jouer. Beaucoup, j'ai des périodes où j'ai envie de jouer. Il y a des semaines, en fait, où je touche pas une seule fois à un jeu. Salle de formation, faudrait que je la fasse. C'est comme ça. J'ai des périodes où. Je pense que c'est comme tout le monde. Hein. On a des périodes où on a plus ou moins envie de jouer. Ah, mais sortez de là, les gars, quoi. Vous faites chier. Normal, c'est des toilettes. jeu de boue pourri, je suis désolée, il est presque 5h du mat. Donc, c'est un jeu de boue pourri de chez pourri. Oula. Mets-moi plein de toilettes. Hop, de lavabo. Ça passe. Voyons voir si ça a repostulé. Non. Non, toujours pas. Bon. Qu'est-ce que je vais refaire d'autre là? La salle de gonflage, bien sûr. Toc 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 toc. Faut pas que j'oublie la salle de repos. Très important. Le coup, salle de repos. Je vais la faire un peu en longueur, vu que j'aurai pas beaucoup de place. Hop. Sofa. Je pensais que j'aurais pu mettre un autre sofa, mais c'est pas grave. Et la téloche. C'est ok. il me faut autre chose, quoi. Concrètement. Qu'est-ce que je vais reprendre? Je vais prendre le grand. Putain, il s'est monté d'un coup, quoi. Bam! Allez. Ah, les city builders, hein, ils sont attaqués, là. Oh, magnifique. Ah, j'ai encore perdu ma souris. Hop. Chirurgien, je prends. J'en ai peut-être un déjà. C'est pas grave. J'ai chercheur. Non, j'ai chercheur chirurgien. Ah, j'ai un médecin. Pauvre. Un psy et. Psy et chirurgien, c'est parfait. Et un psy tout court. Non, parce que là, j'ai combien de. Comptez-vous! Veuillez ne pas fumer dans l'hôpital. Normal. Normal, normal, normal. Ok. Je vais faire la salle. Ah oui, je voulais une infirmière aussi. Parfait. Je vais faire la salle. Alors, la salle. Salle et salle d'opération. Voilà, ça va être compliqué de faire la salle d'opération. Je vais la faire juste à côté. Ah, par contre, je l'ai pas faite assez grande, en fait. Ah bon, on va prendre toute la place, on s'en fout, fuck it. Je paye pas au mètre carré. Des lits, donnez-moi des lits. 5 lits. Quatre. 5.
Hop. Clac. Une infirmière. Elle est là. Elle est présente. Elle est magnifique. La salle d'op, s'il te plaît. Voilà, pour que je puisse mettre les potes. Hop, tac, 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 ok. Ils sont où mes petits chirurgiens? Non, toi t'es un chercheur. Chercheur, chirurgien. Chercheur. Il est où mon psy? Mon psy. Mon chirurgien. Il est là. Je lance. On va mettre des bancs. What? J'ai plus de ça. Bon, il a bugué. Hop. Mais je fais dans la vitesse surtout au début. Mais bon, pas le choix. J'ai plus de bar. J'ai plus de bar. Les bancs, c'est ce que je consomme le plus, je crois. C'est bon. Ensuite. Pourquoi je peux pas mettre des sols? Un seul seulement? Il y aura du tard. Non, pas les extincteurs. Peut-être pas autant. 20, ce sera déjà pas, je pense. Hop, comme ça, dès qu'il rentre, plaf, il fait chaud. Clac. Clac. Ici, j'en mets deux. Ici. Je devrais mettre du chauffage au sol, les gars. Ça aurait plus chaud. Clac, clac. Et un distrib. Il me restera 2 dollars. Ici. Non, pas là. Il est mal placé. Je le mettrai bien en bas. Cherche un remède. Cherche-moi un putain de remède. J'ai un patient. C'est magnifique. Il me restera juste le département de recherche en fait. À essayer de trouver quel l'argent déjà. Ce sera déjà pas mal. Eh ben, je n'ai pas vu le temps. Ben, les amis, moi je vais vous laisser sur cet épisode. Je vais sauvegarder. Voilà. Comme ça c'est fait, bah comme ça on commencera le level 4. Donc d'ici là, bah portez-vous bien, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir, en plus c'est gratuit, encore heureux d'ailleurs. Donc bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut salut. Right now.